Regardez la télé avec Live TV. Bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une autre application sur la télé, sur PC. Cette application s'appelle Live TV. On va pouvoir regarder la télé sur son Mac avec cette application et aller rechercher des URL M3U8, rajouter des chaînes sur son application par le biais d'Internet. Merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Dans les prochaines vidéos, attention, en collaboration avec VoxiWeb, on va donc faire un concours pour toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne et leur faire gagner une licence VoxiWeb. Voilà, donc on va rentrer dans l'application et voir ensemble. Cette application est compatible VoiceOver, donc on va pouvoir la gérer directement avec notre PC. Elle a en plus des raccourcis clavier qui permettent d'avancer, de reculer, de mettre sur pause, mute. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de possibilités en raccourci clavier. Si on lance l'application, alors on va mettre pause. L'application, elle peut être gérée en mode plein écran comme en mode minimisé. On va d'abord aller visiter dans la barre de menu ce qui se passe par rapport à cette application. Voilà, donc on a les chaînes, menu 11 éléments, et on va écouter un petit peu ce qui va se passer. Découverte, sous-menu. Découverte, sous-menu un élément RMC découverte. France TV, sous-menu. France TV, sous-menu 5 éléments. Les différentes chaînes, donc une trentaine de chaînes, on peut en rajouter à partir d'Internet. On n'a pas TF1 qui est mis dans le bouquet des chaînes. L'application Live TV coûte sur le Mac Store 2,99 €, donc elle n'est pas très chère et permet malgré tout de pouvoir visionner la télé, écouter la télé donc sur son Mac. Il faut absolument donc avoir une connexion Internet. France TV sous menu. France TV, France 3, France 2, France 4, France 5, France O, Généralis, Arte, D8, HD1, TMC, BFM TV, Euronews, France 24, LCP, ITL, BFM Business. Dans les informations, on a quand même pas mal de chaînes accessibles. Chaîne, jeunesse sous menu. Jeunesse. Jeunesse sous menu en élément Gulli. En France, vous avez la possibilité de regarder les chaînes de France TV, mais à l'extérieur de la France, vous ne pourrez pas donc regarder les chaînes France TV. Vous allez pouvoir regarder que les chaînes de là où vous vous trouvez en fait. Musique, Jing TV, Energy Dance, Energy Pop Rock, Energy Pure, Energy Urban, Virgin Radio TV, Vitamine TV, D17. On a pour lancer la lecture espace. Muet, M, chaîne suivante, N, chaîne précédente, P, activer le mode plein écran, commande contrôle, F. Et voilà, donc on a terminé pour les raccourcis clavier, donc assez simple au niveau des raccourcis clavier. Très spacieuse dans cet hôtel. Entre autres, nous avons deux grandes chaînes suivantes. Chaîne suivante. Analyse. Interview. Chaîne précédente. Avec Jean-Baptiste Boursier, ses invités que l'on trouve, non? Chaîne précédente. Et c'est à l'occasion du CES. Chaîne précédente. Il va. Chaîne suivante. Chaîne suivante. Chaîne suivante. Chaîne suivante. Donc bien sûr, si j'enlève VoiceOver, bonjour à toutes. Vous voyez, donc on a une possibilité simplement avec les raccourcis clavier de naviguer sur les différents. On a ici gérable complètement, vous voyez, lorsqu'on glisse les différentes chaînes, elles apparaissent au fur et à mesure dans le volet de gauche, d'accord, de la chaîne. Alors, je vais remettre VoiceOver pour que les personnes déficientes visuelles puissent aussi entendre ce qui se passe. VoiceOver active Live RMC de France 2, France affiche France 3, France 4, France 5. On gère parfaitement bien l'application sans aucun problème. Afficher la LCP. LCP. Voilà, donc ici on va aller maintenant sur Internet Safari, gérer espace avec Safari, l'application. Contenant la fenêtre. Donc l'application en elle-même, voilà, ça c'est la première page. Je mettrai dans la description l'adresse de la page si vous désirez aller voir un peu son accessibilité ici. Si on part sur les chaînes, voilà ce qu'on a. Ici, on a donc toutes les chaînes, c'est-à-dire 114 chaînes. Et ici, on a les différents pays où on va pouvoir avoir en fait. Regardez ici la liste. Elle est assez conséquente, hein. Portugal,
on est Qatar. Vraiment, vraiment beaucoup. Un choix très conséquent. Par exemple, si nous, on prend France. Donc, ça veut dire que ici, on va voir un tableau. Et par rapport à ce tableau, on va avoir la possibilité donc de faire ce rajout de chaînes et d'aller voir ces chaînes. On a plusieurs pages ici, une, deux, trois pages par rapport aux différentes chaînes françaises. Si par exemple, je vais sur la deuxième, je vais ouvrir donc les liens URL, énergie 12 par exemple, et je vais lui demander d'ouvrir avec l'application en question. Salut, quoi de neuf ? En tout cas, vous voyez, niveau c'est instantané. Avec VoiceOver, VoiceOver activer Safari. On va aussi avoir la possibilité de gérer la page internet. Donc. Lien menu. Un élément. Avec VoiceOver, ce sont les raccourcis classiques lorsqu'on est dans internet. Hein, pas de problème. Donc ici. Lien menu. Si je veux voir. Visiter. Visiter lien. Cet élément. Lien. France 5. Lien. France O. Lien. France 4. Sur le lien France 4, je vais pouvoir avec VO flèche droite. France TV type. FR.png image. Donc on a le drapeau. Vous êtes actuellement. On est bien sur une chaîne. France pays. France pays. Vous êtes actuellement lien. Ouvrir avec l'event. Et on a le bouton. Vous êtes actuellement avec sur lien. Live TV. Je clique. Pour le préparer au mieux. Donc je vous mettrai le lien de la page dans la description. Dans les prochaines vidéos, on fera quelques petits concours pour gagner des licences. Donc, il faudra être abonné pour gagner ces licences. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à la partager au plus grand nombre. Moi, je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !